Bien-aimés frères et sœurs dans le Christ, je vous salue dans le puissant et précieux nom de Jésus. Et nous sommes heureux de nous retrouver ce matin dans les prières du matin. Et je vous souhaite la paix, la joie du Seigneur. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Alors notre Père céleste, il est miséricordieux. Et donc il nous a créés à son image et selon sa ressemblance. Et il nous appelle à être comme lui. Il nous appelle à aimer nos ennemis. Et c'est ce que la parole nous demande ce matin. Ce matin, la parole nous demande d'aimer ceux qui nous persécutent, d'aimer ceux qui nous maudissent, ceux qui nous haïssent et ceux qui nous calomnient. Et la parole nous rappelle que si nous aimons ceux qui nous aiment, qu'est-ce que nous faisons d'extraordinaire? On ne fait rien d'extraordinaire en aimant ceux qui nous aiment. Mais le Seigneur nous demande d'être comme lui et de faire des choses extraordinaires en aimant nos ennemis, en aimant ceux qui ne nous souhaitent pas la paix, en leur faisant du bien. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Et ce matin, je te demande de là où tu es, de prier de tout ton cœur afin que le Saint-Esprit vienne t'effuser de son onction, t'effuser par son amour, afin que ton cœur puisse être transformé à l'image de Christ, à la stature de Christ, afin que tu puisses aimer à la dimension de Christ ce matin. Alléluia, Seigneur, nous te prions dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ce matin. Oh Jésus, Jésus, nous te disons merci pour le modèle que tu es. Merci parce que tu es notre grand frère et toi, tu nous as donné l'exemple, Seigneur. Tu nous as donné l'exemple. Et Seigneur, cet exemple, nous voulons le suivre. Nous voulons suivre cet exemple en aimant ceux qui ne nous aiment pas, en aimant ceux qui ne nous souhaitent pas le bien, Seigneur. Parce que tu nous appelles à cela. Tu nous appelles à cela. Au-delà de t'aimer, tu nous appelles à cela, Seigneur. Alléluia. Toi, en aimant le monde de
que le Seigneur nous demande de faire. Quand tu réalises que tout ce que le Seigneur a fait pour toi, tu te dis que Seigneur, est-ce que je pourrais? Est-ce que je pourrais? Peut-être que tu travailles dans un bureau où tu n'es pas bien accueilli ou bien aimé. Mais le Seigneur te demande d'aller au-delà, de monter ce matin, de monter en louange et en adoration, afin qu'il puisse déposer dans ton cœur l'amour qu'il faut, l'amour qu'il faut. Oui, Saint Augustin nous disait que la mesure de l'amour, c'est l'amour sans mesure. Alors, puise tes forces dans le Seigneur, puise tes forces dans le Seigneur. Viens te ressourcer dans le Seigneur. Ce matin, crie, appelle Dieu. Crie à Dieu de tout ton cœur et demande-lui de te restaurer, de te restaurer. Parce que si tu es venu sur cette terre des vivants, tu es venu en étant bon. Parce que tout ce que Dieu a fait dès avant la fondation du monde est bon. Et même dans l'œuvre de la création, dans Genèse, le Seigneur a dit que tout ce qu'il a fait était bon. Tout ce qui est physique comme spirituel, tout ce qu'il a fait est bon. Alors il t'appelle à être bon. Alors cet amour que tu auras envers ces personnes qui ne t'aiment pas, cet amour-là va te sanctifier. Ces efforts d'amour que tu fais vont te sanctifier. Alors aime pour être sanctifié. Aime et demande le Seigneur de te donner la grâce d'aimer à la mesure, à la stature de Christ. Monte encore ce matin. Monte en adoration, monte en louange, afin que le Seigneur dépose dans ton cœur l'amour qu'il faut pour ton prochain. Alléluia. Donne-moi que toi, en aimant le monde. Donne-moi que toi, en aimant le monde, Seigneur. De ne voir que toi, que je n'oublie pas mon identité. Donne-moi que toi, en fixant le monde, fixer mon regard. Bien-aimé, sois béni, que la grâce de Dieu abonde dans ta vie et que ta maison soit remplie de l'amour de Dieu. Que le Seigneur ce matin t'enlace dans ses bras et qu'il te manifeste encore son amour, qu'il te témoigne encore de son amour afin que tu puisses aimer à la dimension de Christ. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, bien-aimé, Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Marche de gloire en gloire, de victoire en victoire, dans le nom de Jésus. Amen.